Comme indiqué par le gouvernement, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes. Les collèges, lycées et écoles sont à la couleur des kakis. 9h au CEG d'Ovota, dans la commune d'Agbenzou. Ici, on procède à l'entretien des dispositifs de lave-main de l'établissement. Le souci du respect des mesures barrières au Covid-19 s'affiche, même si la majorité des élèves est sans masque de protection. Dans son bureau, le directeur recevait les nouveaux élèves et leurs parents. Le personnel et les élèves, nous sommes là. Les dispositions qui étaient en cours depuis l'année passée et continuent. On a suffisamment de dispositifs devant les salles de classe. Tous les enfants vont exiger qu'ils aient leur masque. C'est parce qu'ils sont encore en débandade qu'on n'arrive pas encore à vérifier ça là. À l'école primaire publique de Gbozoun 2, notre descente coïncide avec l'arrivée d'une équipe de la mairie d'Agbenzoun. C'est la délégation dépêchée sur le terrain par l'autorité communale, Clétus Kouroli, pour constater l'effectivité de la rentrée. Je suis venu constater l'effectivité de la rentrée et voir ce qui ne va pas, si les enfants ont répondu présent, les enseignants aussi. Je tiens à remercier tous les directeurs qui ont répondu présent, puisqu'il y a des endroits où le directeur n'est pas venu. Dans cette école, élèves et enseignants sont au travail. C'est l'évaluation diagnostique exigée par l'État qui dicte sa loi. Pas de dispositif de lavage de mains devant les salles. Le port de masque est aussi banalisé. Certains enfants sont assis à 3 et même à 4. La distanciation est loin d'être respectée. Les enfants n'ont pas porté leur masque, puisque le masque n'a pas été distribué à tous les enfants. Nous avions déjà pris l'initiative depuis l'année scolaire qui vient de finir. Nous avons pris déjà des dispositifs pour que chaque enfant puisse avoir son max. Bon, comme c'est le départ, et ça freine un peu. Au collège d'enseignement général 1 d'Agbenzoun, le constat n'est pas si désolant. Ce mal qui est venu pratiquement après le premier trimestre a bouleversé tout le calendrier depuis l'année dernière. Hier, nous avions renforcé le dispositif de lavage des mains. Nous avions les cache-nez que les enfants ont apportés dans l'établissement. Tous les acteurs d'ailleurs. La rentrée est effective sur la tête des antilopes, mais l'inquiétude réside dans le non-respect des mesures barrières. Tout porte à croire que les apprenants banalisent le mal du Covid-19. Les enseignants ont la lourde responsabilité de les amener à respecter les gestes nécessaires pour contrer le coronavirus en milieu scolaire.